Ah, ça, c'est un joueur qu'on va suivre de près aujourd'hui, hein, vous vous en doutez. Le réalisateur qui s'attarde sur le meilleur buteur du championnat, qui espère d'ailleurs profiter de ce match pour creuser l'écart sur ses poursuivants. Salut à tous, bienvenue à vous. Vous voyez que les conditions de jeu vont être idéales aujourd'hui, en tout cas au moment du coup d'envoi, pour commenter. Eh bien, c'est moi, depuis un petit moment déjà. Pardon à tous, je vais faire ce que je peux pour pas trop vous agacer. C'est la Première Ligue anglaise qui reprend ses droits aujourd'hui, avec donc cette affiche intéressante. Fulham contre West Ham. Match s'annonce passionnant. Allez, on va se régaler, j'en suis certain. Oh oui, très bon geste défensif. Il fallait le faire, il y avait danger. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Ouais, c'est pour le gardien. Saliba. Andréal. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Ouais, c'est bien donné ce ballon. Ah, le ballon qui est dégagé. Allez, ça joue vers l'avant. Il prend sa chance. Oh, l'ouverture du score! Déjà un but dans cette rencontre. Ah, ça devait être animé. C'est clair sur le ralenti qu'il n'y a pas assez d'agressivité sur le porteur. Il n'y a pas d'intensité dans les duels. C'est quand même incroyable de voir cette passivité défensive. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Continue sa progression. Il faut trouver une option disponible. La frappe! Oh, l'excellente parade du gardien! Car on va aller voir ce qui se passe sur le match de Tottenham, le Tottenham Hotspur Stadium. Le score a évolué. Oui, 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 il s'agit du premier but. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Non, le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé, il y a un hors-jeu. Nikola Vlasic. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Marmolenko. Il sort, ce sera une touche. Il essaye de trouver la faille. Ah, il perd ce ballon. Un bon jaillissement là sur cette interception. Nikola Vlasic. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Il y avait certainement mieux à faire. Le ballon est perdu, dommage. Ivan Cavalero. Allez, le centre maintenant. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Josh Onoma. Il va y aller. Le ballon qui n'est pas maîtrisé, mais l'arbitre qui arrête le jeu car il y a une position de hors-jeu signalée.
Nikola Vlasic. Darmolenko. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Andrian. La frappe. Oh, magnifique arrêt. Magnifique arrêt. Quelle présence dans les buts. Quelle occasion. Un corner joué en deux temps. Ce centre qui n'inquiète pas la défense, ça va pouvoir repartir. Ouais, elle a lutté, après un peu reprendre ce ballon. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Choisis la frappe. Oh, et le bel arrêt. Le bel arrêt, elle n'était pas facile à aller chercher cette tête. On a été tout près du but. Le corner en direction du point de pénalty. La frappe. Et le gardien qui s'est jeté sur ce ballon. Magnifique. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Il a pris sa chance, mais la frappe est déviée. Ils sont à la récupération. Ouais, il a bien senti le coup là, le défenseur. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Saliba, Nikola Vlasic, Yarmolenko, Benjamin Pavard. Très bonne intervention, il lui a pris la balle. Ouais, bien joué le défenseur. Nikola Vlasic. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ah, il n'y aura que 2 minutes hein, de temps additionnel à jouer. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Ah, c'est bien défendu. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Quand on regarde la physionomie de cette première période, on n'est pas surpris de voir cette équipe mener à la pause. Elle domine les débats pour le moment. Voilà, c'est reparti. Et ce ballon est intercepté. On cherche la faille dans la défense adverse. Oh, le grand danger. Oh, il arrive. Oh, quel plongeon superbe. Il a tiré ce corner. Dégagé par la défense. Un très très beau geste défensif. Le ballon va être en touche. Il semblerait que Tottenham envisage de se renforcer et les dirigeants auraient fait une proposition à un club. On va quand même attendre avant de s'emballer parce que ces informations sont quand même... On avait eu beaucoup de pincettes avec d'être démenti à tout moment. Ce qui est sûr, c'est que si ça se fait, ça sera un transfert remarqué. Ah,
Il n'y a personne pour contrarier les joueurs de West Ham sur le côté. Ça revient sur Vlasic. Et c'est le but, l'égalisation. Voilà la contre-attaque qui a amené ce but. Alors qu'il passe au premier poteau. Et le gardien qui est trop statique sur sa ligne, qui ne peut pas intervenir. Et voilà donc à égalité, un but partout. Il gagne son duel. Attention, c'est ça. Voilà l'occasion bizarre là. Bizarre récupéré sans problème dans les buts, alors que il y avait quand même moyen de marquer. L'équipe qui essaie, qui fait les efforts, qui se crée les occasions, mais qui n'arrive pas à marquer. Et du coup, ce match qui reste totalement indécis en ce qui concerne le score. Petit rappel sur la rencontre alléchante qui nous attend tout à l'heure. Petit rappel sur votre écran, le match à ne pas rater, on ne le ratera pas. Évidemment, je vous conseille fortement d'être présent pour ce rendez-vous, notre compagnie, ça promet beaucoup. Il semblerait que le score ait évolué à l'Emirates Stadium, on y va tout de suite. Oui, il s'agit du premier but pour Arsenal. On en est donc à 2-1, après 60 minutes de jeu. Allez, l'occasion peut-être de mener. Oh oui, le but. Ils prennent l'avantage grâce à ce but. Tiens, on le revoit là, ça part du bon centre. Et après, c'est juste génial, hein, le coup d'œil. L'ancrage du pied d'appui, la reprise parfaite. Il mène à la marque désormais 2-1. Le ballon par-dessus. Josh Onoma. Mawson. Qu'il était là. Un petit rappel, mais je suis sûr que vous ne l'avez pas oublié, ce rendez-vous très important. Je sens qu'on va vivre encore un grand moment avec ce match, hein, c'est sûr. Allez, dans la surface, il y a du monde. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Et ce ballon qui traîne. Oh, magnifique arrêt. Magnifique arrêt, quelle présence dans les buts, quelle occasion. Voilà, passe complètement manquée, c'est cadeau. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Il va bénéficier de la touche. Plus, on a estimé qu'il fallait changer quelque chose. Nicolas Vlasic. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Saliba. Ouais, un bon ballon d'attaque. En position idéale pour centrer. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. L'interception de William Saliba. Ouais, bien joué, il fallait faire l'effort d'aller chercher, disputer ce ballon. Allez, il faut s'appliquer. Peut-être l'un des derniers ballons pour égaliser dans ce match. Andréa. Barboleco. Benjamin Pavard. C'est fluide, hein, ce que font les joueurs de West Ham en ce moment. Aussi. C'est pour Nicolas Vlasic. Tir. Ouais, l'attaque enrayée. Il y a aussi le match à l'Emirates Stadium qu'on suit avec un but qui vient d'être marqué, c'est ça? Oui, deuxième but à l'instant pour Arsenal. Un but qui est l'œuvre d'Andrea Belotti, juste après une sacrée erreur défensive.
Le score, le voit. Attention, c'est peut-être la fin. Ah oui, le but. Ça fait un de plus au compteur. Ah, il devrait être un petit peu plus tranquille avec ce nouveau but. Était quand même idéalement placé pour marquer. Ça aurait été étonnant qu'il rate ça à cette distance. Et l'entraîneur qui procède donc à un remplacement. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. 4 minutes à jouer avant d'entrer dans le temps additionnel. De bons coups d'œil. Centre, mais la défense est sereine. Rossi. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Allez, faut centrer vite. Il prend sa chance. Et voilà, c'est terminé. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont sûrs d'être européens la saison prochaine. Ce sera au minimum l'Europa League. Mais il y a peut-être la Ligue des Champions à aller chercher. Ce sera encore mieux. Bonjour à toutes et tous. Le match n'a pas encore commencé ici à l'Etihad Stadium, mais je peux vous dire que le public est déjà chaud. Je suis en place, c'est Hervé Matou comme d'habitude. Je vous regarde, je vous vois. Dans quelques instants, ce sera le coup d'envoi du dernier acte de la Première Ligue. Manchester City contre Fulham. On aura quand même eu droit à une belle saison avec du spectacle, avec des surprises, des buts spectaculaires. Un petit peu de tout, on espère que... On va se régaler aujourd'hui pour cette dernière. Emeric Laporte. Phil Foden. Mazraoui. Ouais, belle séquence de possession. Dans la moitié de terrain adverse en plus. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Un corner joué en deux temps. Le ballon a touché le défenseur en dernier, ce sera donc un corner. Il n'a pas eu envie de frapper ce corner devant le but. L'entrée, il lui redonne. L'arbitre décide de revenir à la faute.
Phil Foden. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Il se présente face au gardien. Et l'ouverture du score. Le premier but dans cette partie qui commence très bien. On voit ensemble hein, cette séquence de préparation là qui va amener le but. Et ensuite, il décide de conclure en force. Ils sont face à face. C'était le bon choix. Mais ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Mais finalement, l'arbitre signale un hors-jeu. Et brique la porte. Pour Gabriel Jesus. Joao Cancelo. Ah, c'est bien donné ce ballon. Centre tendu. Bonne frappe, elle était cadrée à mon avis, mais la tentative a été déviée. La bonne lecture de Nathan Aké qui intercepte. On a perdu le ballon de Bruyne. Il porte le ballon. Il prend sa chance. Ah, le ballon est contré par le défenseur avant de rentrer. On voit que le ballon a été détourné, hein. C'est clair sur ce ralenti, ça joue un rôle. Allez, tout est à refaire, un but partout. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Foden, et le but! Oh, l'arbitre qui va l'invalider, un hors-jeu qui a été signalé. On va regarder tout ça au ralenti. Hors-jeu, hors-jeu, oui, hors-jeu. Nabil Fekir. Se trouve vraiment bien hein, les Citizens aujourd'hui. Joao Cancelo. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Plongeon magnifique et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Il a pris sa chance, mais la frappe est déviée. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Corner dégagé par la défense. Oh, bien joué, c'était chaud, il a dégagé. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. Ah, il a levé son ballon. De Bruyne. Fekir. Ah, une fois mais pas deux là, on a failli assister à un doublé. Mais cette fois ça ne rentrera pas. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Ouais, la tête est sans danger. Hein. Assez difficile quand il y a autant d'adversaires autour. Terence Kongolo. Il est bien redescendu. Il a récupéré le ballon. Depuis 10-15 minutes, on constate vraiment que c'est l'équipe locale qui dicte le tempo. Ce serait peut-être le moment d'en profiter.
avec un peu de lucidité dans la zone offensive, ce serait possible de marquer. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. La voie qui est dégagée là pour Manchester City. Ouais, il y avait sûrement mieux à faire. Le but égalisateur à nouveau. Ivan Cavalero. Cherche une solution. Et le bon arrêt d'Ederson. De Bruyne. João Pedro. Phil Foden. Oh, très bien défendu. Josh Onoma. Ouais, la belle aspiration sur cette passe. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh, le but! Le but qui leur permet de passer devant au score! Bouger la défense, chercher l'espace, trouver la brèche, et frappe magnifique à la fin, puissante. Manchester City qui voit son adversaire prendre l'avantage. On va jouer 3 minutes de plus. Avec la porte. Pour Fekir. Et bien l'intervention, changement de possession. Continue sa progression. On cherche la faille dans la défense adverse. Voilà l'arbitre qui va renvoyer tout le monde au vestiaire sur ce score de 2 buts à 1. Les visiteurs qui ont pris l'avantage juste avant la mi-temps. C'est reparti pour 45 minutes. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Qu'est-ce qu'il va faire ? Et c'est pour le gardien. La passe était appuyée, mais le contrôle est bon. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Alors, carton ou pas pour cette faute ? C'est joué à deux. Va-t-il parvenir à centrer ? Le bon ballon. Corner à suivre. Il va peut-être y avoir danger. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Le corner en direction du point de pénalty. C'est un corner qui ne va rien donner. Qui se poursuit malgré ce tacle. L'avantage. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque.
Kevin De Bruyne. Il s'infiltre, attention. Mais non, finalement, ça a été intercepté. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Alexander Isak. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Écoutez les supporters hein, qui aimeraient que leur équipe égalise sur ce corner. Il a décidé de se donner les moyens d'égaliser. Hein. Le corner qui est joué en deux temps. Le ballon qui, une fois de plus, sort en corner. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Ouais, intervention importante hein, du gardien qui soulage ses défenseurs. Ce sera une touche pour City. Gabriel Jesus. Allons voir ce qui se passe à Southampton, parce que je crois qu'il y a eu un but au St. Mary's Stadium. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but en faveur de Southampton. Un but à zéro, donc, dans un match qui a débuté il y a 66 minutes exactement. Merci infiniment. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Un long ballon loin devant. L'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. Nabil Fekir et a perdu le ballon sur cette passe. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Elle est quand même pas mal privée de ballon, hein, l'équipe visiteuse. La statistique ne raconte qu'une partie de l'histoire. Cette équipe mène au score. Elle va peut-être gérer son avance maintenant. Kevin De Bruyne. Nabil Fekir. Il faut qu'il centre maintenant. Riyad Mahrez. On a dit que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. Et on le voit avec ce changement, la mission, elle va être de tenir le résultat. Allez, il trouve la surface de Bruyne. Premier sur ce corner. Kevin De Bruyne. Ouais, il fallait sortir sur ce ballon. Excellente anticipation du gardien. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ah oui, c'est bien fait ça. Ouais, hors jeu. Hors jeu. Ah, la passe en profondeur était bien sentie. Mais c'est l'appel hein, qui a été déclenché un petit peu trop tôt. Et ça a suffi pour se retrouver hors jeu. Terence Kongolo. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Ce sera sans difficulté pour Ederson. Les supporters qui continuent d'y croire, qui donnent de la voix, mais plus très loin de la fin du match maintenant. Il ne reste plus que 9 minutes à jouer dans cette partie. Kevin De Bruyne. Ouais, la passe de Kevin De Bruyne bien coupée. Ouais, ouais, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Il faut être plus attentif à la ligne. Allez, on resserre tout ça avec ce changement. Une tactique un peu attentiste. Ouais, il ne faut pas craquer dans ces 5 dernières minutes. Il n'y a qu'un but d'écart. Attention à cette action. C'est
un petit peu maintenant ou jamais là pour égaliser. Et de nouveau Riyad Mahrez. Oui, bien fait ça. A complètement raté cette passe. Il s'avance vers la surface. De Bruyne. C'est un grand ballon pour Mahrez. Oh, magnifique la parade. Superbe plongeon. C'était loin d'être évident. Bien tiré ce corner. Mais non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. On cherche la faille dans la défense adverse. Récupération et peut-être une action dangereuse. Pas de souci pour le gardien. Alors que le temps additionnel est indiqué, ce sera 4 minutes. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Le 1-2, Ivan Cavaleiro, Ederson qui avait bien senti le coup. Nabil Fekir. L'ambiance qui est un petit peu montée d'un cran. Le public qui a compris que c'était le bon moment là pour égaliser. Ouais, c'est terminé cette fois. Et c'est une défaite pour Manchester City. L'équipe qui aspirait à un autre résultat, c'est sûr que c'est une déception.